l'école de musique de Melo, solfège, clarinette et l'harmonie municipale, les défilés, les commémorations, les concerts sur le kiosque de la place Turenne les samedis soirs du mois d'août. Il faut croire que les ouvriers ne prenaient pas beaucoup de vacances à l'époque. Et à partir de la sixième, au collège, j'en ai la découverte de la musique vocale dans la chorale de Madame Dubois. C'est comme ça que petit à petit, j'ai appris à aimer la musique. Traduit en français au XVIe siècle par Théodore de Bèze et Clément Marot et mis en musique par Claude Gouinel, musicien et compositeur né à Besançon, voici trois psaumes. Ils sont harmonisés pour les quatre voix du chœur, mais une seule voix chante la mélodie, toujours assez simple, pour que chaque fidèle puisse la mémoriser et la chanter. Vous entendrez le psaume 86, « Mon Dieu, prête-moi l'oreille », mélodie au soprano. Le psaume 42, « Pour alerter dansant, ainsi qu'on voit le cerf bruit », mélodie au ténor, et le psaume 137, mélodie au ténor aussi, étant ainsi au rythme aquatique de Babylone. Les Hébreux en captivité, incités par leur ravisseur à jouer et à chanter pour eux, refusent avec fierté, et pour se justifier, ils ont cette jolie excuse au son levé, dont harpe nous pendille.